Salut tout le monde les Takers, on se retrouve pour l'épisode 11 de Jack 3. Alors bon, la dernière fois je me rappelle qu'on a eu le pouvoir de Lighthouse Jack qui nous permet de voler. C'est en fait un peu tout ce dont je me rappelle. Parce que c'était vraiment le truc principal de l'épisode. Et puis c'est vrai que finalement on n'avait pas fait grand chose au niveau du scénario. On avait fait que... presque que de l'exploration, enfin à moitié d'exploration on va dire. Donc j'avais vraiment recherché des orbes à privé, etc. Même si finalement j'en avais même pas besoin du pouvoir, mais bon c'est pas grave. Ce qu'on devait faire, donc on devait aller à l'abri forêt. Je sais plus pourquoi, pour détruire des créatures... Les créatures noires, je crois qu'on devait les détruire, un truc comme ça. Ah d'accord, attendez, il y a des fleurs encore, hein. Ah ouais, ok, donc faut sûrement détruire ça. Merde. Je sais pas comment on fait, bon, il faut sûrement tuer tous les ennemis. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, je suis défoncé. Bon, c'est pas grave. Voilà, là, comme ça devrait aller. Bon, en fait, ouais, c'est avec ça qu'il va falloir les détruire. Ça me revient. Merde, ah, ça, c'est sensible. Voilà, c'est bon. Et d'un... Ah, merde, ah, il me tire des trucs. Ah oui, d'accord, il envoie des créatures contre nous. C'est pas génial. Ok, c'est bon. Putain, c'est bizarre de tourner du Jack 3 parce que... Enfin là, je viens tout juste de tourner l'épisode de la semaine de Ratchet & Clank et franchement, ça m'a saoulé. Enfin, vous le verrez hein, si vous le suivez, mais, mais franchement, c'était... Moi, j'ai jamais pris aussi peu de plaisir. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment saoulé parce que... Enfin, je me rends compte vraiment que le jeu est mal foutu en fait par rapport aux autres. Enfin, mal foutu parce que c'est le premier, quoi. Enfin bref, c'est pas la question ici, hein. De toute façon ici on est sur Jack. Et je vois même pas ce que je fous encore là-dedans parce qu'il n'y a plus de plantes à détruire ici. Donc je pense que ouais, voilà, il y a d'autres tourelles, c'est exactement ça à quoi je pensais. Non mais vas-y, descends du jetboard là. Putain mais on peut rien leur faire. Putain, c'est ça. Non on peut rien leur faire, hein. Enfin je veux dire, ils nous défoncent. Est-ce qu'on doit refaire les 9? Non, 6, c'est bon ça. Ouais. Ouais, je sais pas, faut les avoir de loin, je sais pas comment faut faire. Peut-être prendre le blaster. Voilà, c'est bon, j'y vais. Non, 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 allez, vas-y, après. Voilà, c'est pas chier. Voilà, donc maintenant je vais te défoncer. À moins qu'il soit. Ah non, il est juste devant. Il n'est pas parti. Casse-toi, casse-toi. Bon, ça va, elle est simple la mission, je trouve, pour l'instant. Bon, je suis mort une fois, certes, mais ça a l'air plutôt simple. Ah putain, mais par contre, t'es sensible. Vas-y, fais pas chier. Ça, c'est un peu pensé à la mission où on doit détruire les zones métallettes dans le Jack 2, si je vous rappelle. C'est exactement la même chose. Et, mais pourquoi je tire là, moi? Là, en fait, le problème, c'est que je suis en train de me faire tirer dessus en même temps. Moi, j'ai coup, je vais crever là. J'ai pas fait attention à la vie, du coup. Si on prend encore 3 coups. Bon, ok, c'est bon, c'est fini. Je suis mort, d'accord. Donc, en gros, faut que je fasse quand même attention à ma vie. C'est bon à savoir. Bon, on recommence à 6, c'est vrai que bon, si à chaque fois ils nous ont recommencé au chiffre on aisait, ça aurait été beaucoup trop simple. Oh non, non, fais pas chier. Eh, je suis comment là? Vas-y, casse les couilles. Voilà. Mais genre, ça touche même pas. C'est quoi cette blague? Mais comment je fais pour l'avoir? Comme ça peut-être. Putain, et ça m'énerve. On peut rien faire. Enfin si, il y a un moyen, faut avoir de l'écho blanche, à la limite je peux avancer avec le bouclier de Little Jack. Ouais, j'y ai pas pensé à ça. Mais bon, le problème c'est que j'ai vraiment pas beaucoup d'écho blanche. Bon, on va essayer, hein. De toute façon, je suis sûr que ça va marcher, mais... Bon. Voilà. Ouais, ça marche, mais bon, j'en ai pas assez d'écho blanche. Voilà, c'est fini. Là. Voilà, c'est bon. En gros c'est bien, c'est un peu con quand même une mission comme ça où t'es obligé d'avoir des couvents je pense. Enfin je sais pas, je me fais défoncer sinon. Vas-y, explose, voilà, parfait. Parfait. Petit crève, faut que je fasse vraiment attention aux ennemis volants, surtout c'est eux les plus dangereux en fait. Parce que les autres ils restent 3000 ans avec un bouclier donc ils s'en foutent un peu. Mais eux sont vraiment dangereux, en plus ils tirent, ils ont une autre cadence de tir donc ça fait plutôt mal. Allez, explose, voilà. Celle-là est déjà détruite. Casse-toi. Je vais détruire celle de là-bas. Bon, je vais me concentrer dessus parce que j'ai encore beaucoup de vie, donc même si je perds de la vie, je m'en fous. Voilà, c'est bon. Et maintenant, descends.
J'avais fait très long, je voulais pas les prendre, surtout. Mais putain, casse-toi. Voilà. Donc, l'autre tourelle, c'est laquelle? C'est celle-ci qui est là-haut. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire pour atteindre, parce que... Attendez. Essayez de m'approcher doucement, et je vais l'avoir avec... Merde. J'ai tiré comme un con. Là, je crois que c'est bon, je lui ai... Voilà, parfait. Bon, maintenant, il s'envole. Ouais, bon, cette arme aura au moins été utile une fois. Parce que, honnêtement, c'est vraiment pas la plus utile, quoi. C'est pas une très bonne arme, mais bon. Là, ça nous aura moins servi. Enfin, quoi que si, c'est une bonne arme, vu que finalement, les ennemis crèvent. Enfin, ils sont... Si vous vous rappelez, à la fin de l'épisode dernier, ben, on avait eu cette arme, je crois. À moins que ce soit celui d'avant, je me rappelle même plus. Enfin, bon, quand on a eu cette arme, en tout cas, c'est vrai que j'avais un peu essayé. Et si vous vous rappelez, ça tuait les ennemis. Ils s'envolaient, et puis une fois que c'était terminé, bah, ils étaient morts. Par contre, là, je vais pas être d'accord. Parce que là, je vais mourir, quoi. Mais ça, ça fait pas. Putain, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé. Il est où, l'autre? Ouais, c'est mort. Oh, fais chier. En plus, elle est pas dure, cette mission, quoi. Je suis vraiment de la merde, en fait. Non, mais casse... Putain, mais... Vas-y, ça m'énerve. Mais quand... En plus, j'ai pas d'écho blanc, je peux rien faire. C'est ça qui est abusé, quoi. Putain. Attends, j'ai défoncé. Alors, attendez. Là, je pourrais l'avoir, je pense. Comme ça. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, là... Ah, juste que je vais faire, j'utilise ça, comme ça, ça va rendre un... On va dire... Comment je pourrais dire ça? Enfin, je dirais pas inutilisable, parce que bon, c'est pas très... Comme vous m'avez compris, en gros, les ennemis peuvent rien faire une fois qu'ils sont en l'air, et puis moi, en temps, je peux détruire les trucs tranquillement. Ça donne presque envie de descendre et de le faire, mais bon, c'est pas la peine. Bon, mais c'est bon, là, j'ai plus besoin de faire gaffe à ma vie, c'est gagné. Voilà. On a quand même encore les trucs qui sont montés là. Bon, c'était un peu nul quand même comme prestation, je trouve, parce que bon, j'aurais pu quand même essayer de la faire du premier coup. Enfin, du premier coup. Je veux dire, en n'ayant pas à chaque fois profité du checkpoint, entre guillemets. Putain, j'ai crevé. Enfin, c'est bon. Magnifique, Jack. Je savais que cette machine était spéciale. Ah, sortez de ma tête, Jack. Jack, on est en train de te perdre! Ça me connecte au système du vaisseau des créateurs noirs. Il m'amène jusqu'à eux. Jack! Je suis connecté au vaisseau des créateurs noirs. Je peux contrôler certaines machines. Ok. Alors ça, je m'en rappelais pas du tout. Enfin, je m'en rappelais pas sur le moment. Là, maintenant, ça me revient, mais... Ah, c'est assez sympa, ça. Enfin, sympa non, en fait, parce que je déteste cette armure. Mais elle était aussi présente dans Jack 2, si vous vous en rappelez. Enfin, si vous l'avez vu, surtout. Et de souvenir, cette mission est assez difficile. Enfin, comme franchement, moi, je trouve, comme toutes les missions avec cette combi, parce que vraiment, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est sympa de la retrouver, quand même. Et là, surtout, on a un bouclier, ça, on l'avait pas dans le Jack 2. Parce que dans le Jack 2, vous faisiez tirer dessus, bah, vous faites tirer dessus, bah, c'est tout. D'accord, il fallait taper dedans. D'accord. Ou alors que là, c'est bon, au moins, on peut se protéger, ça, c'est cool. Ah merde, fallait lancer plusieurs fois. Attendez, je vais recommencer. Non, franchement, c'est cool, ça change un peu le gameplay. Puis vu que là, il y a le bouclier, franchement, ça va devenir jouable. Contrairement à Jack 2. Enfin, disons encore une fois, amélioré, quoi. Quand je dis vraiment que Jack 3, c'est l'aboutissement du 2, c'est totalement ça, quoi. Mais putain, par contre, le gameplay est toujours pourri niveau déplacement. Vas-y, explose. Bon, en fait, non, faut peut-être taper dedans, en fait. Enfin, une fois que je l'ai fissuré, faut peut-être taper dedans. Ouais, c'est ça, en fait. C'est sûr, je pouvais continuer à lancer des bombes longtemps, comme ça. Ah, merde. Putain, ils auraient pu prévenir. D'accord. Là, c'est chaud. Ok, là, c'est bon, je peux avancer tranquille. Là, j'attends. Là, je peux avancer. J'attends. Ouais, je vais attendre quand même, je vais pas faire le con. Ok. D'accord, c'est bon. Ah, je t'ai eu. Enfin, je crois. Je sais pas s'il m'a touché, en fait. Ça, qu'est-ce qu'on... Bon, non, non. Putain. Je m'y attendais, en plus. Bon, faut sûrement lancer une bombe dessus. Attendez. Faut bien viser. C'est ça, le problème. On peut pas viser bien.
Ouais, c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Donc en fait, attendez, quand même, c'est un peu improbable le truc. On se fait connecter de force au vaisseau des créateurs noirs et en fait on détruit leur truc par l'intérieur. C'est un petit peu con, mais bon. Enfin, c'est un peu improbable en fait, sur tout ça. Donc casse-toi, Gigi, casse-toi. Voilà. Au revoir. D'accord, d'accord. Ah, ça, je me rappelle de ce passage par contre. Il faut détruire les trucs en bas là pour pouvoir passer. De l'autre côté. Putain, la caméra est pourrie aussi. Non, c'est bon. Y'a rien du tout de l'autre côté. Enfin, la caméra est par. Non, 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 non. Ouais, c'est bon. La caméra est vraiment du dessus, donc à certains moments on voit rien du tout. C'est pas génial. Ah oui, je me rappelle de ça. On peut leur sauter dessus, ça les tue, je crois, non? Non. Ah non. Ah si, si, ça les tue. Je me rappelle que je le faisais ça. Non. Oui, c'est mieux là. Même pas. Ah merde. T'as le mec qui s'est pas visé quoi. Voilà, c'est bon. Oula putain, et là je suis à la limite de tomber. Coucou. Voilà. D'accord, là on va devoir déplacer un bloc. Je vais juste voir ce qu'il y a là-bas. Ok, il y a des bombes à lancer là-bas, donc on va d'abord aller par ici. Ok, R1 pour saisir des objets. Je crois que si on refait R1, ça le lance, non? Attendez, je vais voir. Non, ça repose, d'accord. Je crois que c'est carré pour le lancer. Enfin bon, si je le lance, ça va le péter, donc je sais pas. Il ne faut pas le faire. Mais putain, tu sautes normalement ou quoi? Voilà. Ah merde, en fait, là, je pense que ça devait être le bon chemin, en fait. Ouais, ouais, exact. Donc dans ce cas-là, je vais aller par là. Attends, ça fait quoi si je fais carré? Ça le lance, hein. Ouais, c'est ça. Et ce nouvel IRA apparaît, donc bon, finalement, ça a été beaucoup plus vite de faire ça. Allez. Et ça, on pose. Enfin, ils sont sûrement rendu compte, ouais, c'est vrai que dans le job 2, c'était trop abusé qu'on puisse pas se protéger avec cette combinaison. Donc du coup, enfin, la combinaison là, en fait, dans le job 2, c'était un robot, c'est une armure, mais là, c'est un truc des créateurs noirs, quoi. C'est autre chose, mais le gameplay est exactement le même, quoi. Mis à part, bah, le bouclier, donc, ils ont rajouté. On va le péter pour aller plus vite, voilà. Enfin, quoi que non, en fait, elle est juste à côté, donc ça sert à rien du tout. Juste si elle voulait bien apparaître. Enfin, si elle voulait bien apparaître, parce que c'est un cube, ce n'est pas une cube. Voilà. Ouais, je disais qu'ils se sont rendus compte que c'était abusé, du coup, ils ont instauré un bouclier. C'est tant mieux. C'est vrai que Jack 3 a vraiment très peu de défauts. Hein. Je veux dire, ce qu'on pouvait reprocher à Jack 2, c'est plus ou moins. C'est plus ou moins terminé avec Jack 3, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Merde, oh putain, je me suis niqué. Merde, ah, oh, je me suis touché. Non, putain. Bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup de vie aussi, j'ai l'impression. Enfin, beaucoup. Plus que dans Jack 2, encore une fois. Parce que dans Jack 2, tu fais défoncer en 2 secondes avec ses combis. Pourtant, c'est un gros robot qui fait bien peur, mais pourtant, tu fais défoncer en 2 secondes. Ok, là, il va falloir se dépêcher, je pense. Et maintenant. Ok, c'était pas maintenant. Mais c'est pas grave. J'aurais peut-être pu utiliser mon bouclier aussi. Ah oui, d'accord, en fait, on fait détruire les trucs qui gravitent autour, d'accord. Est-ce que le bouclier, ça marche? D'accord. Donc ça, je pouvais pas le savoir. Ok, j'en ai pété un. Saute, saute! Ah non, c'est bon, il n'y a pas besoin de sauter. Daxter? Quoi? Quoi quoi? T'as vu quoi? Fais voir, fais voir, fais voir! De la ligne, ici la terre, je peux monter! Allez, ah! Allez! Je déteste être petit! Un moment, j'ai cru que. On aurait dit. Non, c'est pas possible. Mais qui a dit ça? Telle est la question. Moi, je le sais. Bon, finalement, c'était pas si difficile que ça. Enfin, c'est grâce au bouclier, je pense, hein, parce que sinon, ça aurait été un petit peu pété. Mais bon, là au moins ils ont rendu le truc jouable, donc c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit partir d'ici. Donc, on va y aller maintenant. C'est bizarre, on n'a pas eu d'appel de Samos ou quelque chose comme ça. Parce qu'en général, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, Samos il vient nous faire chier. Bon. Allez, on sort.
Putain, je sais vraiment pas où on en est dans le jeu. Plus vers la fin, je pense, mais bon. Le truc, ça m'avait marqué 80%, je crois, quelque chose comme ça, 85%. Après, je sais pas si c'est vraiment ça, parce que... Merde, je sais pas jusqu'à combien de pourcents va le jeu, déjà. Et je sais pas, bah, si... Il y a sûrement les orbes qui sont comptés, les défis que j'ai fait et tout, donc le chiffre n'est pas exact. Je pense qu'en vrai, je dois être à peu près à 80%, ouais, et pas 85%. Normalement, ça devrait être ça, à peu près. Bon, en tout cas, on doit retourner au QG. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, le signe, là, sur la carte. Attendez, il y a un défi, là, on va peut-être le faire, non? J'ai envie de faire un défi, comme ça. On ira après. Voilà un défi très difficile. Si tu trouves celui-là. Ok, trouver un endroit, celui-là je sais très bien où c'est. Enfin. D'ailleurs on a même vu Jack. On a même vu Jack là où ils ont montré l'orbe. Là. Enfin je crois que c'est là. Hein. Non. Putain le con j'ai failli. Bah non ça peut pas être là de toute façon. Ah si. Ah bon en fait non c'était pas Jack qu'on a vu. Je me suis trompé. Ok, bon, c'était tout simple. Ah, tiens, il y a une gemme qui vient de sauter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah écoutez, je vais couper. Quoique non, il y a un autre défi, là, on va le faire aussi. Ouais, quand je croise un défi, on va essayer de les faire quand même. Parce que bon, ça fait toujours des orbes. Voici un autre défi dans... Ok, le truc est juste à côté, quoi. Là, on voit clairement Jack, quoi. Merde, putain, je vais même pas l'avoir. Bien joué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on l'a pas vu l'orbe. Ben, je sais pas, j'ai sauté dans le vide et j'ai l'impression que l'orbe était invisible. Je sais pas, c'était bizarre. Enfin, on s'en fout, j'ai eu. Ouais, donc à partir de là, donc je vais couper. On se retrouve au QG, vu que le chemin est assez long à partir d'ici. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous sommes arrivés. Bon, je vais passer l'ascenseur parce que vous savez très bien que cet ascenseur est vraiment très chiant. Et voyons donc la cinématique. Qui sait ce qu'Erol mijote encore avec ce vaisseau noir? Il faut qu'on l'élimine. Et je suppose que tu as une idée derrière la tête. On a un plan, mais c'est risqué. Ah, tu m'étonnes, c'est jamais facile, non? Et je parie qu'on est les heureux gagnants du concours, hein? Non, c'est vraiment dangereux. J'ai pensé à Thorn et Jinx. Quoi? On n'est pas assez bien pour toi, c'est ça, hein? Tu crois qu'on n'y arrivera pas? Dax. Je te rappelle que Daxter, de Jack Daxter, a déjà affronté tous les trucs les plus horribles de la planète au cours de trois, je dis bien trois, aventure! Daxter! C'est une honte, Jack! C'est nous les héros! C'est nous qui sommes sur les boîtes de céréales, bon sang! Et je vais bientôt sortir ma propre collection de baskets! J'ai un contrat! Vous êtes sur le coup. Couvrez Thorn et Jinx à bord d'un véhicule plein d'explosifs. Escortez-les à la section des Metalheads et ensemble, faites sauter le nid. Ah! Ok. Bah, fallait le dire tout de suite. D'accord, ça je me rappelle pas. Donc il faut les protéger, d'accord. Bon bah écoutez, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Je pense que ça va pas être trop difficile, vu la mitrailleuse qu'on a. Puis le système de visée est bien, c'est pas trop sensible, c'est tout juste parfait, je trouve. Enfin, c'est assez sensible et ça l'est pas trop non plus. Putain, il se fait défoncer, Thorn. Ah, en fait, il s'échoue. Hein. En fait, c'est hyper chaud, hein, je pensais pas, mais. Casse-toi, voilà. Enfin, ça va, si je leur tire dessus, déjà ça leur fait pas de dégâts, c'est une bonne chose. C'est clairement une bonne chose. Donc, on va aller faire sauter le nid. Enfin, le nid, leur section là, des métalheads. Et je crois me rappeler du moins ce qu'on gagne à la fin de cette mission. Je vous en dis pas plus. Mais si je me trompe pas. Ah merde. Il y a même des métalheads qui viennent les faire chier, quoi. Mais si je me rappelle bien, ça va être assez amusant ce qu'on va gagner. Mais je ne vous en dis pas plus. Bon, je vais parler sinon d'une petite idée que j'ai eue là, enfin pendant la cinématique en fait. Vu que bon, je sais que le jeu est presque fini. Et j'ai pas envie de. Enfin, je dis pas que j'ai pas envie de le finir, mais. Vu que j'ai pas fait grand chose au niveau défi, etc., j'ai pensé que je pourrais faire un épisode spécial désert en fait. C'est-à-dire que bah, je vais aller me balader dans le désert tranquillement, puis on va faire des défis, on va faire bah, un peu tout ce qu'on a à faire dans le désert. Merde. Donc en gros on va faire ça, ouais, explorer le désert parce que c'est vrai que c'est un point vraiment très intéressant du jeu je trouve. Et passer à côté ce serait bête, vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dedans. Putain je vais perdre là. J'ai oublié, il y en avait là-haut. Ouais, passer à côté ce serait vraiment très bête, donc j'aimerais savoir ce que vous penseriez de ça. Avoir votre ressenti là-dessus et je vois j'ai. Merde.
Et dans le cas où je le ferai, je sais pas quand arrivera ce... cet épisode. Merde, putain, y a un robot, ok, c'est bon. Ah merde! Et les trucs, ils arrivent comme ça, quoi, t'as pas le temps de voir arriver. Ouais, donc j'ai eu cette idée, déjà, d'une part, ça fera durer un petit peu plus le let's play, et d'autre part, bah, ça fera faire le jeu plus complet, quoi, voilà. Puis, bon, vous savez déjà que j'alterne pas mal, déjà, entre les missions et les défis. J'essaye au maximum d'en faire quand j'en croise un, par exemple, entre deux missions ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est plutôt une meilleure chose à faire, en fait, que de faire que des épisodes de défis à la fin sur Jack 2, où j'avais bien remarqué que ça vous lassait. Puis, je peux comprendre tout à fait, parce que bon, c'est vrai que c'était moins intéressant. Donc là, en mélangeant un petit peu, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, certains, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais dans les commentaires ou sur Twitter, je me rappelle plus. Merde. Ah, putain, j'ai perdu. Vous m'aviez dit que... J'espère qu'il y a un checkpoint. Oh, même pas, quoi, sérieux, ils ont foiré. Qu'est-ce que je disais? Oui, je sais plus c'est qui m'a dit ça, ni comment. Mais que ça ralentit un petit peu l'épisode, le fait d'aller dans des... d'aller faire des défis comme ça. Bon, c'est vrai, mais bon, après, ça fait... un let's play un peu plus complet, donc bon, moi personnellement ça me va tout à fait. Puis ça change un petit peu, quoi. Pour moi, personnellement, j'aime bien faire ces défis. D'autant plus, il y en a des originaux, il y a beaucoup de recherches d'orbes, mais bon, il y en a quand même des plus originaux, hein, des trucs du genre les courses de. Il me semble qu'il doit y avoir une course de lézardosaure. Je suis pas sûr, mais il doit sûrement y en avoir une. Enfin, je pense à des trucs comme ça, par exemple, qui peuvent être assez sympas. Même si on en a déjà fait une en tant que mission. Donc. Mais là, mais c'est vraiment au début qu'ils sont défoncés en fait, Thorn et Jinx. Ouais. Enfin, non, Jinx est avec nous en fait. Putain, non, ouais, c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Par contre, toi là-haut. Ouais, c'est bon, j'ai eu. Mais je crois que à partir de là, Thorn il avait déjà pris bien cher tout à l'heure. Ah, elle est pas simple cette mission en fait. Hein. Mais moi j'aime bien. Puis le seul problème c'est que bah, il y a pas de checkpoint donc. Ça va faire assez long. Enfin, je pense que si je perds là, après je couperai et puis je le retrouverai. À un certain moment sur la bonne partie, enfin au moment où j'aurais réussi, quoi. Ok, bon, ça va tourner déjà mieux qu'au même endroit tout à l'heure, parce que tout à l'heure il avait pris bien cher. Tout ce qui est missile, j'en avais arrêté aucun, je crois, enfin ou peu. Non, t'es mort, hein. C'est mort, tu sautes pas, connard. Ouais, voilà, donc dites-moi, bon, bah si. Si vous voulez, ouais, pour l'épisode spécial désert, enfin désert, défi, etc. Après, si on a tout fait dans le désert en un épisode, ce dont je doute fortement, on ira faire quelques défis à Brevi et à l'Aspargus, mais bon. Alors voilà, ça, en gros, ce sera vraiment un épisode spécial défi, ce sera plutôt un hors sujet, un hors série, ce que vous voulez. Ça changera un petit peu, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, si j'ai très peu d'avis, bah je le ferai, quoi qu'il arrive. Après, s'il y a vraiment des avis réticents, bah je le ferai pas, tant pis. Surtout pour l'instant, en tout cas, je suis pour le faire personnellement. Après, si j'ai beaucoup d'objections, je le ferai pas, puis c'est tout. Enfin, du moins, je pourrais le faire de mon côté après, quoi. Mais c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Puis explorer, non, franchement, explorer le désert en commentant, ça pourrait être sympa. Le désert est assez grand. En plus, on pourra profiter pleinement de l'upgrade, la turbo jetboard dans le désert. Ce qui est vraiment cool. Merde. Ok, c'est bon. Ok, par contre, là, je crois qu'il y a des missiles. C'est ça qui a tué Thorn tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Non, putain, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Merde, ah, j'ai cru que c'était fini. Non, c'est bon. Allez, j'ai réussi à tous les arrêter, je crois. Non, putain, vous enculez. Bon, on est presque arrivé, je crois. Putain, mais le mec, comment il a fait pour arriver là, quoi? Le mec, il a... s'est pris pour un funambule, là, un mec de cirque. Juste pour pouvoir nous sauter dessus après. Et finalement crever. C'était pas très utile. Putain, on est bien loin là. C'est un peu chaud. Oh, genre, le retour des métallettes bien chiants là qui nous est chié dans, dans la carrière de Jack 2. Si vous en rappelez. Ah, cassez-vous. Et cassez-vous. Non, parce que moi je préfère me faire défoncer moi vu que. Enfin, quoique, j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Je crois que j'ai moins de vie que Thorn. Là. Donc bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait le tour alors qu'il peut directement y aller au nid des métallettes? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, putain, c'est bon. Non, arrêtez de me tirer dessus, arrêtez, c'est bon.
Oh merde. Mais d'où ils sortent les missiles en fait? J'aimerais bien savoir. Oh merde, il s'est fait toucher. Je crois qu'il en a pris un de missile. Et moi je vais mourir là bientôt. Regardez ma vie. Ah mais non, je vais regagner. Ah non, c'était un effet d'optique je crois. Parce que j'avais presque plus de vie. Ah, mais c'est hyper chaud là. Là s'il se fait toucher, c'est foutu. Mais je confesse que je comprends pas c'est pourquoi il passe par là. Alors qu'il pourrait directement y aller au Nico. Au lieu de faire le tour de la ville et de te faire défoncer à chaque fois. En fait, il y a des lance-missiles par là. Carrément. En fait, il faudrait essayer de prendre de l'avance. Et vraiment les empêcher de tirer. De tuer avant que qu'ils soient. Enfin, qu'ils étornent encore en ligne de mire. Mais quand même, il doit y avoir un checkpoint, hein, je pense. À partir du moment où on arrive dans cette zone, je pense. Vu qu'elle est assez longue. Parce que sinon, c'est abusé. Puis dans Jack 3, ils sont pas comme dans Jack 2. Ils sont moins sadiques quand même. Merde, j'ai perdu. Putain, j'espère qu'il y a un checkpoint. Ok, c'est bon, il y a un checkpoint ici. Ouais, je disais que dans Jack 3, ils sont beaucoup moins sadiques que dans Jack 2 niveau checkpoint. Hein, parce que. Dans Jack 2, une mission, c'est une mission. Hein. C'est une mission, point, il n'y a pas de checkpoint. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ah ouais, non, dans Jack 2, c'est vraiment des tarés. Hein. Là, ça va un peu mieux quand même. Bon, vous avez déjà vu tout ça, c'est un petit peu long, donc j'ai coupé et on se retrouve au moment où on était quand on est mort. On était presque à la fin, je crois d'ailleurs. Donc, à tout de suite. Voilà, on en était à peu près ici. Quand on est mort, je crois qu'il est mort maintenant. Je sais plus c'est quand que c'est fini. Là, je crois qu'il y a des missiles là et c'est là qu'il est mort. Ah non, ou alors c'est là, oh, je sais plus. Enfin bon, on était à peu près ici de toute façon. Bon, j'ai pas été mort entre deux, mais Thorn a pris bien cher. J'ai bien fait de la merde. Putain, alors j'ai tout fait péter. Ok, normalement c'est par ici. Attendez, je me gratte le nez. Voilà. Le mec, soit qu'il a essayé de faire. Bon, c'est presque fini, normalement. On est presque arrivé. Je sais qu'il y a un truc à faire péter au bout. Parce que vous savez, il y a deux chemins. Le chemin qui nous mène à l'abri forêt. Enfin, les restes de l'abri forêt, on va dire ça comme ça. Et il y a un autre chemin qui va nous mener donc au nid. Enfin, un nid, c'est pas le même nid que dans le Jack 2, je pense, mais. C'est quand même un nid métallo, je pense. Putain, c'est chaud quand même. Enfin, en fait, je pense que ça va être hyper dur. Hein, parce que vous voyez, déjà. Après le checkpoint, il y en a encore un bon paquet de chemin à faire. Et, enfin, je vois pas comment, en fait, sans mourir une seule fois, on peut se faire... Ah ouais, d'accord. Ils sont comme ça, eux. Il y a pas de... Putain, il y a pas de troisième checkpoint, quoi. C'est vraiment des malades. Bon, bah, écoutez, on va recouper. Hein. Ouais, en fait, non, ce que je disais, je vais juste finir de dire ce que je voulais. Ouais, je voulais dire que, en gros, tout faire d'une traite sans mourir une seule fois, ça me paraît impossible, quoi. Enfin, je sais pas... Enfin, du moins pas la première fois, quoi. Voilà, faut être bien entraîné. Bon, enfin. Bon, ça commence un peu à me faire chier, par contre. Donc, j'espère que je vais réussir cette fois-ci. Bon, bah, je coupe, hein, on se retrouve où on était tout à l'heure. Bon, on était à peu près ici, un petit peu plus loin, je crois. Je sais plus par quoi il est mort, mais on s'en fout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était dans cet endroit-là. Bah, écoutez, je pense que ça va être bientôt terminé. Bon, je l'espère, parce que c'est vrai que c'est. Putain, il s'est passé exactement la même chose que tout à l'heure, mais à ce moment-là, on peut pas les voir arriver, les trucs. Putain, ça me casse les couilles, sérieux, là. Bon, une nouvelle fois, on est arrivé là, on n'arrive pas à gagner. Putain, et à chaque fois, je me fais enchaîner. Bon, là, c'est parce que j'ai réussi, c'est parce que j'avais encore plein de vie, mais c'est bon. Ah ouais, ça leur apprendra. Démolis-les, petit gars. Ok, c'est l'heure de la vengeance. T'es bien accroché, Dax? Et tu veux dire, aller dans cet endroit? Je vais peut-être rester là pour protéger Sig. Oui, Daxter va protéger Sig. Donc, on a reçu le Supernova. Alors, c'est ça que je vous parlais. Bon, faut juste trouver une bonne zone pour le faire, pour l'utiliser. C'est donc la dernière amélioration des armes violettes. Ouais, si ce sera un bon endroit. Bon, attendez, je vais juste détruire tous ces ennemis. Là. Non, c'est pas des métalèdes. Ah non, non, ça n'a rien à voir en fait. C'est même pas des métalèdes ici. C'est des monstres noirs là. Enfin, des trucs des créateurs noirs. Ok, c'est bon. On peut tester notre arme tranquillement. D'accord. Non, merde. Ok, donc attendez, je vais juste le défoncer avant. J'ai juste envie d'être tranquille quand même pour vous montrer parce que ça vaut vraiment le détour. C'est on sent que sur cette arme là en fait ils sont lâchés. Regardez, voilà ce que ça fait. Voilà.
Donc en fait, le dernier arme, c'est une bombe nucléaire, quoi. Voilà, en gros, ça tue tout le monde, vous voyez, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis, quand vous avez fait ça dans la ville, il n'y a plus de civils non plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit. Vous êtes tranquille après, voilà. En gros, ils ont juste tapé un délire chez Naughty Dog et puis ils se sont dit, allez, la dernière arme, on fout une bombe nucléaire. Et voilà, donc. Voilà, donc la dernière arme de Jack Frost, un truc de malade. On va s'enfoncer là-dedans un petit peu. Bon, par contre, ils utilisent 10 munitions, hein, donc c'est vraiment énorme. Mais bon, on va dire que ça vaut à peu près le coup. Enfin, non, personnellement, je trouve que non. Parce que vaut mieux utiliser les munitions violettes pour le pacificateur, ça vaut plus le coup, je trouve. Vu que bon, voilà, vous pouvez tirer 10 balles de pacificateur, ça vaut plus le coup que d'utiliser un tir supernova, je trouve. Mais bon, ça reste quand même une arme de malade. Est-ce que ça nous blesse? Je suppose que oui. Enfin non, en fait, on dirait pas. Putain. Casse-toi. Ça aurait pu s'en faire avec ça. Ah non, bon, oui, ça va. Ouais, beaucoup mieux. Est-ce que je peux... Ouais, je vais me soigner. Parce que bon, il y a un orifice d'écho blanche, donc je vais en profiter. Je vais me soigner, voilà. Voilà, voilà. Ok, le mec, il vient de sortir. Il s'est fait défoncer. Il a rien compris. Il a rien compris à sa vie. Donc bon, là, j'imagine qu'on va avoir besoin de ça. J'ai essayé un truc, mais non. Enfin, une vidéo que j'ai vue, mais à ce qui paraît, ça a été enlevé dans Jack 3. Enfin, dans les versions HD. On pouvait voler, en fait. Enfin, on pouvait s'envoler où on voulait. Bah bon, vous faites chier, là. Voilà, vous faites pas chier. Par contre, je vais mourir, donc on va se tenir, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Là, j'ai l'impression que j'ai vraiment perdu de la vie rapidement. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on avance, tranquillement. Cette arme là, ouais. Ouais, cette arme là en fait elle est bien, j'ai un peu sous-estimé, je pensais qu'elle était assez inutile, mais en fait pas du tout. Vu que comme c'est auto-guidé, ça c'est pas mal. Bon, par contre, c'est pas économique du tout, mais bon. Ça beaucoup. Comment on monte là? Je pense qu'il faut tout ce qui est tué, ça va sûrement faire descendre une plateforme. Non? Ouais, exactement. Enfin, une plateforme. Un pont quoi, un pont d'écho noir on dirait. Putain, je vais y tomber. Pas fait rentrer au con. Merde. Trompé de bouton. Oh, allez, on va rigoler. Oui. Ah oui, là par contre ça s'est collé, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, ça fait pas le gros champignon là. Ça le fait juste si vous. Merde, putain, en fait il y en a deux autres, c'est vraiment con. Merde. Ouais, je disais, le champignon, en fait, ça le fait juste si... si vous... Comment dire? Si en face de vous, vous avez une zone assez large. Ce qui fait que bah, le missile, en fait, il va aller sur le sol automatiquement. Et donc, c'est ça qui fait bah, le gros champignon nucléaire que vous avez vu tout à l'heure. C'est pour ça que je cherchais un bon endroit, justement, pour le faire, pour la première fois, pour vous montrer. Mais sinon, ça a exactement le même effet. Hein. Ça se colle au mur, et puis bon, ça fait juste un écran tout blanc, quoi, c'est bien. Rien de plus. En fait, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a Light Jack, hein, parce que sinon, on sera vraiment dans la merde. Mais non, ça, c'est pas une bonne arme, par contre, pour ça. Faut mieux utiliser ça. Voilà. Ah, merde, j'avais pas eu. En fait, c'est bien contre eux, mais faut juste attendre qu'ils aient terminé leur bouclier. Merde, leur bouclier. Et mais en fait, ils nous enlèvent 4 unités de vie, c'est pour ça que je perds ma vie vraiment vite. Ouais, je comprends. Ouais. En fait, ça sert à rien de nous mettre des armures si après les ennemis ils nous enlèvent 2 fois plus de vie. Moi, je sais pas, c'est con. Putain, mais il a pas dégainé ça rapidement. Et. Oui! Voilà. Non, mais tu t'es sérieux, toi? Même eux, ils nous enlèvent 4, non? Attendez, l'autre, il m'en a enlevé 4. Ah non, non, j'ai rien dit, ils en enlèvent 2. Oh putain, là c'est la fête. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas assez pour le supernova, c'est dommage. On va faire ça. Je vais voir si ça va les tuer ou est-ce que ça va les juste les diviser. Ça c'est marrant aussi, on peut les taper comme ça. Ah si, ça les divise.
Ouais, je suis en train de m'amuser avec les monstres, quoi. Oui. Oui. Bon, soignons-nous. Là. On va prendre cette arme. En arme principale pour l'instant. J'ai bien fait. Allez, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Voilà. Même pas mort. Sérieux? Voilà. On va soigner du mieux qu'on peut. Par contre, c'est chiant parce que leur bouclier, du coup, nous fait utiliser des munitions. Ça se fait un carnage quand même. C'est vraiment une arme de psychopathe. Enfin, après tout, j'ai envie de dire, c'est la dernière. Hein. C'est la dernière arme du... des armes bleues. Vas-y, prends-toi ça. Ah non, je vais lancer la grosse bombe là. Mais... Enfin, la grosse bombe, le lance-grenade. Mais je n'ai pas été assez vite. Triomphe. J'aimerais bien rester bavardé, mais j'ai rendez-vous avec les êtres les plus puissants de l'univers. Des cuits, boîte de conserve. Ne m'oblige pas à m'approcher et à t'envoyer Jack. C'est trop tard. J'ai réveillé la technologie des créateurs noirs. À mon tour, le pouvoir suprême des précurseurs sera à moi. À un de ces quatre, les gars. Regarde-moi ça, c'est cool. C'est génial, ça réagit à ce truc d'écho noir. Ah, ça va sauter. Tirons-nous de là! Quand même, pour la scène au ralenti, ils auraient pu mettre une putain de musique épique. Enfin, je sais pas, il y a pas de musique, c'est un peu nul. Bon, ce n'est pas grave. Où on doit aller maintenant? On doit aller voir la tente de la vieille Onin. Je vois, j'entends une voix. Ah non, ça doit être les Grenades Nagar, on s'en fout. On doit aller voir donc sur la tente d'Onin qui a été délocalisée dans la zone du début de Jack 2 de Abrégé. Casse-toi. On va faire ce défi, puis je pense qu'on se laissera ensuite. En fait, je sais pas parce que. Ah, d'accord, là il y a deux ordres. Enfin, l'autre c'est un ordre normal et celui-là c'est l'ordre du défi. Bon, on va faire ça, on va y aller au pif, hein, écoutez, j'ai une chance sur deux. Soit c'est de ce côté, soit c'est de l'autre. Qu'est-ce que. Bon, c'est pas par là, on dirait. On dirait vraiment que c'est pas par là. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Putain, je sais plus, j'ai oublié. J'avais quelque chose à dire et j'ai complètement zappé. Bon, on va aller par là du coup. Costaud. Mais c'est où? Putain, le truc c'est à l'autre bout de la ville, je sais pas. Bah attendez, je me suis encore trompé. J'ai repris le même chemin peut-être, non? Je sais pas, je. Bon, on va essayer d'aller par là. Oh, mais attendez, il y a le. Là, il y en a, mais je crois que j'ai déjà fait ce. Ah non, non, c'est des autres. Ok, d'accord. Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Excellent. Merde. Ça, c'était moins excellent, par contre. Bon. Oui, je disais, ouais, je pourrais essayer. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, je voulais parler du temps. Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de coupures. Enfin, ça m'a pris pas mal de temps, finalement, à chaque fois, de refaire la mission où on devait couvrir Thorn. Et là, ça marque 49 minutes, mais à mon avis, on doit être à 40, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la tente d'Onin. Si on croise un défi, on va la faire. On va le faire, pardon. Et ensuite, on se fera sûrement la mission d'Onin. Je sais pas, je vais voir. Putain, il y a un défi ici. Casse-toi. Donc, voyons ce que c'est. 4 gems, ça va être encore la même chose. Mets ta gueule. Est-ce qu'on nous voit là? Non, on nous voit. On ne nous voit pas. On va voir par ici. Le chemin par là, moi. J'ai l'impression que c'est là. Ouais, exact. Bien joué. Tu es bien le héros dans ton secret. Et on a dépassé les 100 ordres.
Mais en fait, je crois que tous les trucs de ouf, là, genre Dark Jack illimité, la tête Jack illimité, etc., ça doit se débloquer à la fin du jeu, une fois qu'on l'a terminé. Donc bon, ça ne sera pas très utile pendant le jeu, enfin pendant l'émission, pendant le scénario, quoi. Donc j'hésite, je sais pas si je pourrais peut-être acheter des autres trucs, histoire de me servir de mes orbes pour le let's play, je sais pas, je vais voir. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, je sais que ouais, je vais faire, comme je l'ai dit, l'épisode sûrement spécial défi dans le désert. Donc bon, là, je regagnerai, quoi qu'il arrive, tous les orbes que j'aurais perdu, ça c'est sûr. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais voir. Non, les secrets, déjà. D'ailleurs, en pensant, j'aurais sûrement un truc à gagner pour le Supernova, non? Ouais, capacité de munitions. Bon, on va acheter déjà les deux améliorations pour ces armes. Et du coup, au niveau des armes, on aura tout amélioré. Et Putain, j'ai bien envie d'acheter des trucs pour les véhicules, en fait. Ça, plus ça. Je pourrais peut-être en acheter un aussi, mais je sais pas c'est quel le meilleur dans les trois. T'as un Moufouneur, je crois que tu l'as, il est normal. Il y en a un dans les deux qui tire des bombes comme comme la puce des dunes. Je crois que c'est le démon de la poussière. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais... attendez, j'ai combien là? Bon, déjà, ce qui est sûr, je vais prendre ça. Ça et ça. Quoi qu'il arrive, je prends ça, voilà. Ensuite, non, je vais pas acheter de véhicule pour l'instant. On va rester là, on a déjà bien dépensé notre thune. Vu que bon, ça en tout cas ça nous servira bah, pour l'épisode dans le désert. Bon, même si on fait peut-être pas, même si on le fera pas, je sais pas. Enfin, ça dépendra de vous, hein, ça dépendra de votre avis. Je vous redis donc, n'oubliez pas de vous exprimer là-dessus. Bon, on va quand même se faire la mission avec Onin. Et puis on se restera là ensuite. Jack, nous avons de très gros ennuis. Onin dit que des forces mystérieuses sont en marche. Elle dit que quelque chose d'une puissance jamais égalée auparavant est venu perturber le destin. Quelque chose se réveille au tréfonds des catacombes. Laissez-moi deviner. Vous, les beaux-parleurs, vous voulez qu'on y aille, je me gourre? Le meilleur accès aux catacombes se situe dans la section des Metalheads. Des fois, je vous déteste vraiment, les mecs. Onin voit votre destin devenir de plus en plus sombre. Elle dit que ça va être extrêmement dangereux cette fois. Onin dit que Baker va vous accompagner à travers les catacombes et... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu seras les yeux d'Onin et la sagesse de Jack. Tu dois y aller. Oh, bon, d'accord. Mais je m'éclipse dès que la situation se corse. Vous deux, vous filez à l'entrée des catacombes et commencez le boulot. Je vous rejoins là-bas dès que la voie est libre. Ah d'accord, donc... Et vous avez vu toutes les araignées par terre? C'est très propre chez elle quand même. Ouais, donc là on doit entrer dans les catacombes. Bon, finalement on va pas faire ça dans cet épisode, parce que je sais que c'est un... ça, je dirais pas un tournant du jeu, mais c'est assez important. Enfin, c'est assez important, c'est surtout gros. Et c'est une grosse mission, donc... Donc bon, on va passer un peu le temps en faisant des défis, hein, puis voilà. Puis d'ailleurs, ça fera sûrement bah, du coup une coupure. Si le prochain épisode c'est celui dans le désert, je sais pas. Je sais pas ça. En fait, moi je vais par là, mais moi, je me baladais tranquille, mais en fait, c'est pas par là du tout. limite, j'avais oublié qu'il y avait un défi quoi. Bon, c'est sûrement par là du coup. Allez. Bon, non, c'est pas ici. C'est un petit peu aléatoire quand même ce truc hein, quand on y pense. Enfin, non, on est. Selon eux, en fait, on est censé connaître les Parker, mais. C'est un petit peu pas possible. Si c'est possible, mais bon, voilà quoi. Voilà. Putain, il y en a plein des défis ici, regardez sur la carte. Ouais, bon, je pense pas que ce sera le prochain, l'épisode sur dans le désert. Enfin, si, sûrement, mais dans ce cas-là, si c'est le prochain, bah... sachant que Jack sort le dimanche, bah... l'épisode sera tourné avant même que vous ayez donné votre avis, donc c'est un peu bizarre. Attendez, est-ce que je vais dans le bon sens? Je sais même pas. Ouais. Enfin non, en fait, j'aurais pu passer autrement, mais c'est pas grave. Allez. Non, ça passera pas, là. Ça passera pas du tout. Ouais, non, mais j'ai pris le mauvais chemin, c'est pour ça. Peut-être en passant par ici. Oh, putain, cassez-vous! Ouais, je me rappelle en plus de cette orbe à voir, il est chaud. Enfin, il est chaud. Non, en fait, il va pas l'air quoi, finalement. Parce que là, je vais l'avoir. Putain, mais j'avais du mal en plus à le trouver lui plus avant, je sais pas même pas pourquoi. Voilà.
Bon, on va faire le dernier et puis on se laissera ici. Ça fera un épisode, je sais même pas si c'est un épisode court ou long, parce que... avec toutes les coupures. Bon, enfin, dans tous les cas, si le prochain épisode... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ok, d'accord. Ah, cool. Ah oui, c'est un truc qui va nous mettre des anneaux, donc. Je crois qu'on a déjà fait... Ah non, faut juste le suivre, on dirait. Ok. En fait, ça, c'est pas pratique, par contre, de faire une course pendant la guerre. Bah, je suis passé rapide, c'est pas ma faute, connard. Ah, ok, on a peut-être dans du véhicule. Dans ce cas-là, je vais aller plus vite que lui. Non. Ah non, en fait. Ah, je sais pas si c'est une mission pour le véhicule ou pour le jetboard. Mais bon, vu comment ça va vite, je pense que c'est pour le véhicule. Bon, je me concentre, hein, je parle pas trop. Mais... Ouais, donc je disais... Bon, je m'en fous un peu, tu pars quand même. Je disais, ouais, pour concernant bah, l'épisode spécial désert, si c'est le prochain, bah, je ferai en gros un petit résumé de l'histoire, je pense, avant... Enfin, je repasserai, à mon avis, la cinématique, là, dans l'attente. Vu que, bon, vous en rappellerez pas forcément. Putain, c'était easy, en fait. Putain, c'était vraiment facile. Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce qu'après, je sais que si je vais dans le... dans les catacombes, je vais entamer un gros truc, et après, bah, l'histoire va être... Enfin, je crois que c'est vraiment la dernière trame de l'histoire, après, à partir des catacombes, bon, ça va tout s'enchaîner, et puis... vous voudriez plus décrocher, donc je pense que là vraiment le moment ça va être bah ouais bon donc quoi qu'il arrive non, je vais faire le prochain épisode sera un épisode spécial désert puis j'ai envie de faire un autre défi qu'on va faire en attendant que je parle ouais donc quoi qu'il arrive ouais bon je vous ai demandé votre avis bah finalement il sera pas respecté je suis désolé mais le prochain épisode sera un épisode spécial désert donc voilà là je viens de faire une belle connerie très très belle connerie je sais même pas c'est de quel côté tiens là dedans je suis sûr il y a un arbre à moins que je l'ai déjà chopé. Bon, attendez, on va essayer de monter au premier, là. Celui-là. Voilà. Ah, c'est où? Bah, c'est juste ici, parfait. On avait même une belle marge. Allez, on va aller voir là-dedans, là. Parce que là-dedans, c'est sûr qu'il y a un arbre. Après, je l'ai peut-être déjà chopé, donc si... Ouais, j'ai déjà chopé. Parce que, hein, vraiment rien du tout. Bon, bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aurait été encore un épisode, bah, mi-défi, mi-mission. Mission, c'est un peu bizarre de toute façon, mais bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, bah, la prochaine fois, ce sera un épisode spécial désert. On va explorer le désert, on va faire le maximum de défis dedans. Vu que c'est, je le redis, hein, c'est vraiment un point à ne pas négliger dans Jack 3. C'est vraiment un grand point positif. Et ne pas faire un épisode là-dessus serait un crime, je trouve. Moi, personnellement, je dis ça parce que voilà, j'adore le désert. Après, c'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais. La plupart des gens qui l'ont dit, qui ont déjà joué à Jack 3 en tout cas sont d'accord pour dire que le désert c'est vraiment un truc énorme. Donc voilà. Alors bah je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode c'est le désert. Ce sera l'épisode 12 si je ne me trompe pas. Voilà. Salut.